السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الفيديو الثاني واللي غادي نخدمه من خلاله دائما مع الدرس الأول من درس نهاية الاتصال ليميتي كونتينيتي إلى باج سنرجع نشوفه اش من باج لا باج أربعتاش لا باج كاتوز لا باج 14 من كتاب المفيد. إذا دائما مع الصفحة 14 لا باج 14 du livre المفيد et on va calculer les limites suivantes. La deuxième question de ce rappel. Alors la suite de ce rappel, calculer les limites suivantes, limite x tend vers 0, x au carré sinus 1 sur x. C'est une limite trigonométrique. Donc, on ne peut pas calculer directement cette limite, puisque la limite de 1 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, et je peux faire un encadrement. Je peux utiliser l'encadrement de sinus 1 sur x. Il est compris entre moins 1 et 1. Et donc, sinus 1 sur x, محصور بالناقص 1 1, كيف ما كان la valeur de x appartient à R étoile. D'où, نقدروا multiplier par x carré tous les membres de cette double inégalité, tous les عندنا moins x carré inférieur ou égal à x au carré sinus 1 sur x inférieur ou égal à x au carré. Or, la limite de moins x carré quand x tend vers 0 égale à 0 et la limite de x carré quand x tend vers 0 égale à 0. Donc, la limite de l'expression à l'intérieur qui est au milieu et tend vers aussi vers 0. C'est le théorème de l'encadrement ou bien théorème des gendarmes. La même chose, on va procéder de la même manière pour la deuxième limite. Limite x tend vers plus l'infini, 1 moins 4 cosinus x sur x plus 3. On a pour tout x appartenant à R, on a pour tout x réel, cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, alors, je peux multiplier par moins 4, donc j'obtiens, j'obtiens moins 4, donc quand je multiplie par moins 4, j'obtiens moins 4 cos x est compris entre moins 4 et 4. Puis, je vais ajouter 1 à tous les membres. Donc, j'obtiens 1 moins 4 est inférieur ou égal à 1 moins 4 cos x inférieur ou égal à 1 plus 4. Et à la fin, on va diviser par x plus 3 pour x assez grand. X plus 3 est supérieur strictement à 0. Donc, c'est un nombre positif. Alors, x plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, moins 3. Donc, je multiplie tous les membres par 1 sur x plus 1. Supérieur strictement à 0, donc moins 3 divisé par x plus 1 est inférieur ou égal à 1 moins 4 cos x divisé par x plus 1 inférieur ou égal à 5 sur x plus 1. Or, la limite x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x plus 1 égale 0 et la limite x tend vers plus l'infini 5 sur x plus 1 égale à 0, donc la limite de 1 moins 4 cos x sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, il y a 0. Voilà. Donc, هادو اللي في جناب كيعطيوك 0, اذا هذا اللي في 0. يقدر يعطيك هذا اللي في جناب 2, 2, moins 3, moins 3, etc. Donc, ماشي مشكل, اذا حتى هذاك, اذا بصفة عامة, quand on a limite de deux expressions à droite et à gauche tend vers L, l'expression au milieu tend vers aussi vers L. La dernière limite,
Alors pour la limite 3, pour la troisième limite, Edna, limite x tend vers pi sur 2, limite x tend vers pi sur 2, pi moins 2x, multiplié par tangente x. Alors, تعويض المباشر كيعطينا forme indéterminée, puisque la limite quand x tend vers pi sur 2 de tangente, il suffit de distinguer les cas, limite x tend vers pi sur 2 plus et limite pi sur 2 moins, puisque tangente n'est pas défini en pi sur 2, mais il est défini à droite et à gauche de pi sur 2. Nous pouvons calculer la limite, bien sûr. Mais il faut procéder d'une autre manière. Alors, procéder d'une autre manière. Alors, comment calculer cette troisième limite? Limite x tend vers pi sur 2, pi moins 2x fois tangente x. Alors, le calcul direct de cette limite n'est pas évident, donc il faut procéder par un changement de variable. Donc, on pose grand X égale à petit x moins pi sur 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit x égale à grand X plus pi sur 2. Et si petit x tend vers pi sur 2, alors grand X tend vers 0. Donc, notre limite devient x tend vers pi sur 2 de pi moins 2x multiplié par tangente x est égal à la limite quand grand X tend vers 0 pi moins 2 facteur de petit x moins pi sur 2 multiplié par tangente grand X plus pi sur 2. Voilà. Donc c'est la limite grand X tend vers 0. Donc ici j'ai commis une erreur, donc je dois écrire grand X plus pi sur 2 au lieu de petit x. D'accord? Donc je développe, je trouve moins 2x moins 2 grand X, puisque moins 2 pi sur 2, ça devient moins pi avec un plus pi, c'est 0. Donc il me reste moins 2 grand X multiplié par tangente x sur 2, tangente x plus pi sur 2. Or, tangente de grand X plus pi sur 2, c'est moins 1 sur tangente grand X. Donc notre limite est égale grand X tend vers 0, moins 2 grand X sur moins tangente grand X. Donc je simplifie par le moins, je fais sortir le 2, donc c'est 2 multiplié par x sur tangente grand X. Alors cette limite là, x sur tangente x est égal à 1, donc il me reste 2. Donc notre limite est égale à 2. Voilà.